La leader taïwanaise du parti Kuomintang, Hong Xiuchu, a conclu sa visite dans la partie continentale de Chine. Elle s'est envolée ce jeudi après-midi pour Taipei. Hong a qualifié sa visite de réussite bénéfique pour l'avenir des relations. Nous croyons avoir besoin d'une autre percée dans nos relations bilatérales, une responsabilité que notre parti Kuomintang ne doit pas négliger. Cette visite a été fructueuse et nous croyons qu'elle sera profitable au développement pacifique et de relations stables et harmonieuses. Les 2 jours du Forum pour un développement pacifique des relations ont conclu la visite d'Hong ce jeudi matin. Hong a amorcé sa tournée en se rendant à Nanjing, capitale de la province orientale du Jiangsu, où elle a rendu hommage au fondateur du KMT, Sun Yat-sen, à son mausolée. Mardi, après être arrivé à Beijing, Hong et sa délégation ont visité un centre de démarrage d'entreprise taïwanaise. Au cours de la journée, Xi Jinping, en sa qualité de secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a rencontré Hong. Ils ont discuté de sujets ayant trait au consensus de 1992 qui fait état de la politique d'une seule Chine, de même que de coopération bilatérale.